Une première en République démocratique du Congo. Au perchoir de l'Assemblée nationale, 3 femmes sur 7 membres qui composent le bureau définitif de la Chambre basse. À l'issue des élections, les représentants du peuple ont misé sur la représentativité du genre. C'est un soulagement d'un côté parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont lutté pour la représentativité de la femme. La femme devrait nécessairement se retrouver dans toutes les institutions, donc dans la chaîne de prise de décision. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de voir 3 sur 7. C'est vraiment une grande chose, une grande représentativité. Je suis soulagée parce que chaque fois que je parlais de ça, je parlais de la féminité, que quand la femme prend conscience, vous allez voir que beaucoup de choses seront en marche. Après la prise en compte du vœu émis par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, sur les critères du choix des candidats à l'élection du bureau définitif, la question reste à savoir l'apport de la représentativité des femmes dans la gestion de la chose publique. Les hommes volent facilement, mais les femmes ont souvent peur. Les femmes veulent gérer avec patience, avec modestie, avec sagesse. On a compris que travailler avec la femme, ça nous donne la confiance. La femme, elle ne peut pas voler pour s'envoler avec. Elle va voler et elle restera à la maison parce qu'elle a une charge à la maison qui l'attend, qu'elle doit gérer. Considérée comme maillon faible pour certains, la femme doit multiplier les efforts dans les buts de s'extirper de ces carquois. À 50%, elles sont comme maillot faible qu'on peut manipuler facilement parce qu'elles vont subir la rigueur et le poids de ceux-là qui leur précèdent. Nous espérons que leurs voix seront entendues lorsqu'elles seront catégoriques et resteront vraiment déterminées à défendre leurs principes, à défendre leurs valeurs. Parmi les postes qui seront occupés par les femmes, il y a notamment les rapporteurs adjoints avec Dominique Munongo. Au poste du questeur, nous trouvons Chimène Polipoli et Grasne Mapainigné comme questeur adjoint.